Bonjour chers amis téléspectateurs C'est avec une grande joie que j'aimerais vous parler de la parole de Dieu Parce que je suis convaincu qu'il n'y a rien de mieux que de parler de la parole de Dieu Vous voyez, vous êtes un esprit C'est la première chose que j'aimerais vous dire Vous êtes un esprit J'aimerais que vous preniez conscience que vous êtes un esprit qui habite un corps de chair voyez et votre esprit a besoin de se nourrir. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit l'homme ne se nourrira pas seulement euh, euh, du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Votre esprit a besoin de manger la parole de Dieu. Votre esprit a besoin de manger la parole de Dieu. Et je m'aimerais vraiment vous donner. Euh, moi, j'essaye de vous présenter l'évangile pas d'une manière dogmatique mais d'une manière réaliste est-ce que vous êtes conscient que vous êtes un esprit et cet esprit que vous êtes a besoin comme disent certaines personnes d'être positivé positive d'être euh, euh, de recevoir la parole positive et il n'y a pas plus positif que la parole de Dieu, voyez. La parole de Dieu dit vous n'êtes pas un singe, que vous venez des vous avez été créé par Dieu, voyez. La parole de Dieu dit que vous êtes une merveilleuse créature de Dieu. La parole de Dieu dit que vous allez vous en sortir. La parole de Dieu dit que tout est possible à celui qui croit, voyez. Si vous croyez vraiment à la parole de Dieu et que vous osez mettre votre confiance en Dieu. Vous allez vous en sortir, peu importe les circonstances dans lequel vous êtes, peu importe ce qui se passe autour de vous, je peux vous dire que vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Ne désespérez jamais. Parce que vous n'êtes pas un orphelin. Écoutez-moi bien. Ne désespérez jamais. Parce que Dieu vous aime. Et j'aimerais vous le dire. J'aimerais que vous compreniez et que vous croyiez à ce que je vous dis. Dieu vous aime. Il a un plan merveilleux pour votre vie. Il vous aime et il prendra soin de vous. Il ne vous abandonnera jamais votre Dieu. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour? À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier? Et aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez conscience qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Comme j'ai toujours dit, il y a, vous savez qu'il y a des gens qui souffrent de maladie de ne pas être aimé. Nous allons passer dans WhatsApp News. Dans WhatsApp News, je vais vous montrer quelques illustrations euh, des gens, euh, quelques illustrations des gens euh, euh, qui souffrent, euh, des animaux qui ont besoin des câlins. J'essaie un peu de vous montrer euh, les, les, les petites vidéos qui circulent. -qu euh, et nous essayons aussi d'adapter euh, notre programme euh, à, à, à la modernité, à l'évolution de la technologie. Et, et dans WhatsApp News, vous vu, on m'a envoyé une vidéo où vous voyez que même les animaux ont besoin des câlins. Vous êtes un être humain, vous avez besoin d'amour. Vous avez été créé pour avoir, recevoir l'amour. C'est comme tous les fabricants de voitures. Lorsqu'ils créent une voiture, ils fabriquent une voiture, il met un réservoir vide. il met un gros réservoir qui peut prendre 75 litres d'essence. D'autres réservoirs peuvent prendre 100 litres d'essence. Et d'autres réservoirs peuvent prendre 50 litres. Voyez, il y a des réservoirs dans les voitures, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord avec cela. Voyez, et, et pourquoi ils mettent ces réservoirs, ces espaces vides? Parce qu'ils savent que la voiture, pour rouler, a besoin de l'essence. Et Dieu, en créant l'homme, il a mis un grand réservoir d'amour. <laughs> un grand réservoir d'amour. Parce qu'il sait que toi, tu as besoin d'amour. Tu as besoin d'amour pour vivre. Tu as besoin d'amour pour vivre moralement et mentalement. Vous pouvez vivre physiquement sans amour, mais mentalement, pour avoir une bonne morale, vous avez besoin de l'amour. Et voyez, mais ce recevoir a été fait tel que vous puissiez avoir l'amour du vin. Voyez, seul l'amour du vin doit être rempli. C'est comme une voiture. Lorsque nous faisons une voiture, j'aimerais vous donner un exemple. Il y a des voitures qui fonctionnent avec du gasoil. Si vous mettez l'essence, vous aurez un problème, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle un jour, j'étais, j'étais, j'avais voyagé aux Antilles. Vous savez, ce qui est dur avec les Antilles, c'est le décalage horaire. Avec le décalage horaire, je suis revenu. Je suis revenu ici. J'avais réunion tous les jours baptême télévision. Et quand je reviens ici, j'étais très fatigué. J'étais très fatigué et j'avais une voiture euh, euh, diesel. Euh, mais en rentrant, euh, j'ai mis de l'essence. J'étais tellement fatigué que je suis allé. Je pas réfléchi. J'ai mis l'essence et en plus, je fais le plein d'essence. Et je commençais à rouler sur la A4. Et je roulais en pleine autoroute Et j'entends la voiture faire doum, 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 doum. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe J'ai dit bon pas précaution Je me mets sur la petite bande J'ai démarré encore Et puis j'ai entendu un dernier boum boum Et la voiture s'est arrêtée Elle ne roulait plus Et j'ai pu j ai, j ai risqué un accident Parce que j'ai déboîté devant un camion Qui roulait très vite Et puis je suis allé au bordure de l'autoroute Et là j'ai appelé eh, un ami à moi Un frère formidable Jean-Luc Lenog. Si vous avez un problème mécanique, vous voulez un mécanicien honnête et droit appelé Jean-Luc Lenog. Et Jean-Luc Lenog, il est venu avec sa, sa petite camionnette. Il a pris ma voiture. Il l'a amené dans une station d'essence. Et je peux vous dire, il a vidé les réservoirs qui étaient pleins avec un petit gobelet. De minuit à une heure du matin, il a vidé avec son petit gobelet. Je n'ai pas vu une telle solidarité, même dans le pasteur. J'étais impressionné. Et après avoir fait ça, nous avons rempli euh, le réservoir avec l'essence euh, euh, sans plomb. Et voilà. Et au, au, au moment de payer, j'ai mis la carte et j'ai payé. Et j'étais tellement fatigué que je suis parti, j'ai laissé la carte sur, <laughs> sur la machine, sur le guichet de, de, de l'essence. voyez, c'est un peu ça. Vous voyez, vous êtes un homme qui a été créé. Est fabriqué par Dieu pour recevoir l'amour divin, l'amour pur, l'amour sans tache, l'amour sans blessure, l'amour parfait. Vous voyez, mais le problème que vous avez, au lieu d'aller prendre l'essence pure, l'amour pur qui vient de Dieu, et vous, vous cherchez l'amour des hommes. L'amour des hommes n'est pas mauvais, vous voyez, l'amour des hommes n'est pas mauvais, mais c'est pas ça qui va combler. Tu as été fabriqué pour recevoir l'amour de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu a créé Adam et Ève, euh, euh, tous les matins, euh, euh, Dieu allait visiter Adam et Eve. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que yo savent ça? Encore demander ou ça? Encore poser la question. Tous les soirs plutôt, Dieu venait visiter Adam et Eve pour leur donner l'amour, pour parler avec eux. Dieu a envie que vous venez dans sa présence, l'adorer et lui parler, et lui dire combien vous l'aimez. Dieu te cherche, mon ami. Ça fait longtemps que Dieu te cherche. Mais nous, nous nous intéressons pas à Dieu. On s'intéresse toujours à ce que Dieu a. C'est comme les, les, les gens qui ont suivi Jésus-Christ. Euh, ils ont dit, mais Seigneur, on te cherche partout. Jésus dit. Vous me cherchez non parce que vous avez vu de miracles, pourquoi? Mais vous me cherchez parce que vous avez mangé du bon pain. Vous voyez? Des fois, nous cherchons Dieu parce que nous voulons manger le pain de la guérison. Nous voulons manger le pain de la délivrance. Et parce que nous voulons manger le pain, je ne sais pas, de, euh, du mariage. Mais, mais le Seigneur veut que nous puissions le chercher euh, simplement parce que nous avons compris qu'il est bon. Parce que nous avons compris qu'il est merveilleux. Parce que nous avons compris personne n'est comparable à lui. Parce que nous avons compris et que la vie est belle avec lui parce que nous avons compris que son amour est parfait et, et voilà pourquoi des fois on est marié je connais des gens qui étaient convaincus que lorsqu'ils vont se marier ils seront heureux je peux vous le dire je connais des gens qui étaient convaincus à 100% que lorsqu'ils vont se marier ils seront heureux et ils en étaient tellement convaincus que lorsqu'ils se sont mariés, ils n'ont pas été heureux. Ils ont été déçus. Ils ont été déçus. Mais ne soyez pas déçus. Ne demandez pas à un homme de vous donner l'amour qu'il n'a pas. L'amour que vous cherchez, il n'y a que Dieu qui puisse vous le donner. Vous voyez, l'amour que vous cherchez. C'est un amour qui, qui, qui... Le seul amour qui peut combler le cœur d'un homme, c'est l'amour de Dieu. Et, et lorsque vous donnez votre cœur à Jésus, vous ouvrez votre réservoir à Jésus et le Seigneur fera le plein d'essence, le plein d'amour, l'amour divin. Et cet amour va vous aider à vous aimer vous-même. L'amour de Dieu, quand il comble votre cœur, il va vous aider à vous aimer vous-même, à vous accepter vous-même et à pardonner à tous les hommes. Et quand vous allez pardonner tous les hommes, votre cœur sera purifié, votre cœur sera nettoyé et c'est seulement en ces moments-là que vous serez capable d'aimer les autres comme vous vous aimez vous-même. Vous comprenez Avant d'aimer le prochain, vous devez être capable de vous aimer vous-même. Mais si vous avez l'esprit de réger, vous vous détestez vous-même, vous ne serez jamais aimé le prochain. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit... Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Mais comment s'aimer soi-même C'est seulement lorsque l'amour du vin va rentrer dans votre cœur, l'amour du vin va remplir votre cœur, que le Saint-Esprit va vous aider à vous aimer vous-même, à être bien dans votre peau, voyez À être bien dans votre peau. Et lorsque vous allez vous aimer vous-même, et là vous pourrez aimer votre mari, là vous pourrez aimer votre femme comme vous aimez vous aimez vous-même, et là vous pourrez rendre les autres heureux. Mais tant que vous ne vous aimez pas vous-même, croyez-moi, vous allez chercher l'amour et vous allez rentrer dans une relation conjugale et conflictuelle et, et vous serez toujours déçu et vous allez dire les femmes ne sont pas bonnes ou les hommes ne sont pas bons, alors que le problème c'est vous-même. Alors aujourd'hui, avez euh, euh, dis-vous ça, en dis-vous ça, Tati, Jésus t'aime. Oublie, oublie, voyez. Faites de Jésus votre priorité. Je sais que vous voulez vous marier. Je sais que vous rêvez du mariage. Vous rêvez de la prospérité. Tout cela, c'est bon. Mais cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Cherche d'abord le royaume des, des, des cieux et sa justice. Donc cherche d'abord l'amour de Dieu. Bon, nous sommes simplement en train de faire notre introduction. Ouais, là, là nous avons fait l'introduction. Mm -hmm. là, nous qu'a fait l'introduction. <laughs> Après, on va aborder les autres sujets, bien sûr. Les autres sujets qui sont aussi intéressants, euh, les uns que les autres. Nous allons aborder notre sujet sur euh, les envoûtements et la délivrance. Les gens étaient contents. Les gens m'ont beaucoup écrit. Les gens m'ont beaucoup écrit. Il y a une, il y a une dame qui, je la salue, et qui va quitter Nîmes, qui va venir en voiture jusqu'à à Paris pour recevoir sa délivrance. Vous voyez, eh, le Seigneur il est bon, le Seigneur vous aime. Eh, ce n'est pas un hasard que vous êtes là. Eh, Écoutez-moi bien. Eh, eh, ce n'est pas un hasard que tu es là. Tu dis mais non, c'est moi qui a choisi la chaîne te l'ont Je suis tombé ou bien tu peux dire je suis tombé là par hasard. Vous croyez que le hasard existe C'est vous qui croyez au hasard. Moi je crois pas au hasard, vous voyez Voyez. Je y Jésus a dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Voyez, ce n'est pas toi qui as choisi t'éléanti, mais c'est Dieu qui t'a choisi aujourd'hui pour voir t'éléanti. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Et la Bible dit, si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Maintenant que tu attends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Dans ton cœur à Jésus. 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 <laughs> <laughs> ah, moi, moi content, chaque fois que moi là pour euh, parler de Jésus, pour parler de la parole de bon Dieu euh, Je suis content parce que je suis fier, je suis fier que Dieu m'ait choisi pour ce travail Et vous savez, dans l'histoire de la francophonie, depuis que la France est la France J'aimerais vous dire, euh, depuis que la France est la France aucun homme n'a autant parlé de Dieu que Bishop Eli à la télévision française. Est-ce que, en passant, si vous pouvez comprendre, en dit depuis que la France est la France, aucun homme n'a autant parlé de Jésus à la télévision française comme Bishop Eli. tous les jours, deux heures avec Bishop Eli. Et vous savez comment j'ai commencé et je commençais dans les métros. J'ai commencé à prêcher dans les métros. Je suis l'un des premiers hommes de couleur, ou bien bien, l'un des premiers français à prêcher dans le métro parisien. Il y a plus de 30 ans. Les gens qui me connaissent savent. Je prêchais à Châtelet-les-Halles. Peut-être parmi vous, quelqu'un m'en vit. Je prêchais à Châtelet-les-Halles. Avec Dieu, il faut commencer avec les petites choses. Et puis, il y a 25 ans, ou 25 ans, 25 ans, 24 ans, je suis le premier Pasteur de la Grâce de Dieu a prêché à la télévision anti Je commençais par la télévision éclair à Bastère. J'ai encore les émissions, hein. Je vous les montrerai un jour. J'ai une grande histoire avec Dieu. Et puis, je fais plus de 24 ans de télévision avec Canal 10. Je fais KMT. Je fais Zouk TV. Et maintenant, nous sommes sur télé anti. Merci Jean-Louis François. Jean-Louis Saint-François. Jean-Louis Saint-François, il est Saint. Oui, il est saint. <laughs> que Dieu te bénisse, Jean-Louis. Je, je te bénis tous les jours qui passent. Je te bénis et j'aimerais que tu deviennes pasteur comme moi. Hum? Que tu deviennes pasteur comme moi. Tu en as besoin. On a tous besoin. <laughs> Alors, on va un peu suivre quelques clips. Quelques clips vidéo d'adoration. Euh, Worship Lord. Voilà, c'est le clip pour moi. Je danse. Hein? Je danse très bien. Worship Lord. Là, j'ai un projet d'aller à Kenya parce que j'aime beaucoup les Kenyans quand je vois euh, euh, tous ces clips-là que je passe tout le temps avec les chrétiens kenyans. Et je trouve qu'ils sont simples, ils sont gentils, ils ont peu de moyens, ils, fait, ils font de bonnes choses pour Dieu. Et j'ai envie d'établir une église à Kenya. C'est mon, mon, mon envie. J'ai envie d'établir une église à Kenya. Je suis un apôtre. Je dois établir une église à l'île de la Réunion ou bien m'allier avec une église. C'est comme ça que je fonctionne. Hein. Quand je vais dans un pays, je trouve une église qui reçoit mon mes le message de l'Évangile et qui ouvre la porte au Saint-Esprit. Je travaille avec eux à vie. Mais si j'en trouve pas, j'en établis une. Donc je vais, je cherche d'abord à, à rencontrer une église de plein réveil au Kenya. S'il y en a pas, je vais en faire une. Dieu est bon. Mon ami, j'aimerais te dire, Dieu a un plan pour toi. Ne désespère pas, tu as tort, tu as tort de désespérer. J'aimerais te le dire et te le répéter que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie.

Dieu m'utilise beaucoup à la télé. Quand je parle et je prie à distance, les gens sont guéris et d'autres sont délivrés. Et d'autres tombent même dans leur maison. Des fois, quand je parle comme ça, je me mets à parler à langue. Il y a des gens qui tombent dans leur maison. Il y avait une femme qui est à Rennes. Une femme qui est à Rennes, une femme sénégalaise. Elle avait 50 ans. On l'avait dit qu'elle pourra jamais avoir d'enfant. Elle écoutait mes prédications sur YouTube et je priais pour elle par, par, par le net. Elle a eu un enfant à 50 ans. Elle a fait un bébé à 50 ans. Son mari gaulois, bien sûr, il est très heureux. Il est enchanté. Et la dame a dit un jour elle va témoigner. Je sais pas si elle me suit là, là où elle est. Elle a dit qu'un jour elle va témoigner. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois à l'amour de Dieu. Je crois que le meilleur est devant toi. Je crois que les plus belles choses de la vie sont devant toi. Je crois que Jésus Christ aime. Hallelujah. La puissance du Saint-Esprit sur toi maintenant, au nom de Jésus. Je dis bien la puissance du Saint-Esprit sur toi maintenant, au nom de Jésus Christ. La puissance du Saint-Esprit sur toi. Et je prends autorité sur tout esprit de sorcellerie, tout esprit de magie, d'occultisme qui est là pour bloquer ta vie. Maintenant que je prie, la puissance du Saint-Esprit est en train de te saisir. Je te l'ai dit, maintenant que je prie, la puissance du Saint-Esprit est en train de te saisir. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'ai l'autorité sur toi, démon qui agite, esprit de mort, esprit méchant, esprit de jalousie qui perd la vie de mon frère et de ma soeur je prends autorité sur toi le sang de jésus le sang de l'agneau 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 le sang de jésus christ sur toi tous les gens qui pratiquent l'occultisme là où ils sont, ils sont en train de trembler. Ils ressentent la puissance qui sort là. Ils ressentent l'option qui passe là maintenant. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Aucun esprit ne peut résister. Au nom de Jésus-Christ. On a commencé fort. On a commencé fort, mais je vais vous laisser écouter un peu. Wash Louez Dieu. Et j'aime bien ça. Louez Dieu. C'est un chant que j'ai écrit. Je vais vous faire écouter quelques chants que j'ai écrits. Et espérons que cela vous fera beaucoup plaisir. Soyez bénis. Alors, chers amis euh, téléspectateurs. Maintenant, nous allons parler un peu d'un sujet euh, qui nous intéresse, d'un sujet très important, les envoûtements et la délivrance. Et, et, J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, le besoin de la délivrance est énorme. Les églises du réveil doivent se réveiller. Les églises du réveil doivent se réveiller et parfois, je suis très choqué et même scandalisé euh, de constater que... Beaucoup d'églises de réveil sont devenues traditionnelles. Vous allez dans un culte, vous avez l'impression d'assister à un concert américain. D'abord, les choristes sont francophones, ils chantent en anglais. Pourquoi? Je ne sais pas. Les gens écoutent, ils ne comprennent rien. Et puis, vous avez l'impression d'assister à une conférence mondaine. Le pasteur, il est là. Ce n'est rien d'autre qu'un conférenciste, voyez. L'apôtre Paul appelle ce genre de personnes des discoureurs, des discoureurs. Mais la Bible dit, l'évangile est une démonstration de puissance. Mon frère, pasteur, mon ami, il faut que quelqu'un qui vient dans votre culte puisse expérimenter la puissance de Dieu puissent voir la démonstration que le Dieu dont nous parlons est un Dieu qui est vivant, est un Dieu qui est capable. Il faut pas que les gens viennent écouter la parole et qu'ils rentrent aussi vite qu'ils sont venus. Nous devons démontrer à Dieu que notre Jésus-Christ, il est vivant, que notre Jésus-Christ, il est tout-puissant, que notre Jésus-Christ n'a pas changé. Vous voyez, c'est incroyable le nombre de chrétiens envoûtés. L'une des choses qui m'a le plus choqué, qui m'a vraiment choqué et qui m'a attristé, c'est un jour en Guadeloupe, j'avais reçu une sœur dont je, je tairai le nom. Et, et cette sœur, elle était secrétaire euh, de, de, du président des églises ADD. Je me tiens bien ce que j'ai dit. Cette sœur était, était secrétaire du pasteur président des églises ADD de la Guadeloupe. Elle est venue me voir dans mon bureau. Elle s'est assise. Et, et Dès que elle m'a, elle s'est assise en face de moi. Elle s'est mise à trembler. Elle s'est mise à trembler toute seule. Seulement s'asseoir à moins de deux mètres de moi, en face de moi, elle s'est mise à trembler. Lorsque vous aurez de l'onction, vous allez voir des gens trembler devant vous, comme ça. Elle s'est mise à trembler. Et, et c'est là que je compris qu'elle avait une baisse de délivrance. Et quand je commençais à prier pour elle, mes amis, elle avait une légion de démons. Elle n'avait pas un démon. Elle avait une légion de démons. Je demandais aux démons, quel est votre nom Ils m'ont dit Légion. Alors, je fais la délivrance. Après, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais comme travail Elle m'a dit, je suis secrétaire particulière d'un pasteur. Je lui ai dit, ah bon, secrétaire d'un pasteur C'est quel pasteur C'est le pasteur président des ADD. Je lui ai dit, mais comment tu peux avoir une légion des démons Vous allez prêcher l'évangile aux chrétiens. Vous allez promettre la liberté aux gens. Quand ta secrétaire qui mange avec toi à table et, et qui est tout le temps face de toi a une légion de démons, tu ne le vois même pas et tu ne le chasses même pas. Le même problème, je le retrouve ici en Guadeloupe, à Paris. Je ne citerai pas les noms des chrétiens qui viennent des grandes églises, des grandes églises là, renommées, soi-disant cinq étoiles, des grandes églises luxueuses mais qui viennent remplis des démons. Des démons, et même j'ai mes fidèles qui n'avaient pas de démons et qui sont allés dans ces églises et qui reviennent avec les démons. Je dis, il y a deux solutions, ou ce pasteur n'ont pas la révélation, leur vie n'est pas en ordre, ou bien ce pasteur n'ont pas la foi pour euh, manifester la puissance de Dieu, ou ce pasteur-là sont satanistes. Il y a que trois solutions. Ou ce pasteur-là connaissent la parole mais ils vivent dans le péché le de dieu ne se manifeste pas ou deuxièmement eh, eh, ce pasteur eh, eh, n'ont pas la foi mais leur vie est en ordre ils sont simplement religieux alors il n'y a pas de délivrance ou bien ce pasteurs sont dans l'autre côté des occultistes des satanistes et puis satan ne jamais... chasse pas satan voilà l'explication voyez donc il est temps que l'église se réveille il... L'Esprit de Dieu nous a loin, comme a dit Jésus-Christ dans Matthieu, l'Esprit de Dieu est sur moi pour envoyer, pour annoncer les bonnes nouvelles et, à ren et renvoyer libres les opprimés. Nous devons libérer les gens, nous devons envoyer libres les opprimés. Amen. Bien sûr, ce que j'ai dit, ça ne plaira pas à certaines personnes, à certaines personnes orgueilleuses, vous voyez, quand vous parlez aux chrétiens, ça passe. Mais quand vous voulez corriger les pasteurs, les reprendre, oh, ils se fâchent avec vous, ils vous combattent, ils vous mettent les bâtons dans les roues. C'est triste, hein? Je pense que si la tête est malade, tout le corps est malade. L'église d'aujourd'hui est malade parce que les pasteurs sont malades, les ministres de Dieu sont malades une bonne partie. Vous me direz, mais qu'est-ce que tu dis? Mais fouillez leur vie. Voyez, il y en a dont on connaît déjà les dossiers publiquement et d'autres encore cachent leurs dossiers. Homme de Dieu, si tu es tombé, répands-toi et remonte-toi à l'ordre. Homme de Dieu, si tu es tombé, répands-toi et il est temps, ressaisis-toi. N'oublie pas comment Dieu t'aime. N'oublie pas le jour où Jésus est venu te es rencontrer. N'oublie pas le jour où Jésus est venu t'appeler à lui. Relève-toi, ce n'est pas encore la fin. C'est encore possible. Adjoue ça. C'est encore possible. Voilà. Donc, euh, nous avons dit un envoûtement. Je me réfère à un petit résumé, bien sûr. Un envoûtement, quand on parle de l'envoûtement, on parle de trois facteurs. Trois facteurs. Donc, quatre presque. Je peux dire trois ou quatre là. Voilà. D'abord, une volonté humaine. Sans volonté humaine, il n'y a pas d'envoûtement. Voyez? Et quelqu'un vous envoûte, vous envoie un sort. Deuxièmement, il y a une malédiction verbale. Un sort qu'on prononce contre une personne. Et troisièmement, il y a un esprit mauvais. Parce que la malédiction ne s'accomplira pas par elle-même. Comme ça, il y a un démon qui va exécuter la sentence. C'est comme si vous envoyez un gendarme. Aller arrêter telle personne. Donc, vous avez la volonté d'arrêter une personne, vous êtes un colonel et vous donnez un ordre verbal à un gendarme, et le gendarme prend son arme, il va exécuter, arrêter la personne. Donc, un sort, c'est une, une malé, euh, un envoûtement est une malédiction ou un mauvais sort, on peut l'appeler malédiction, mauvais sort, qu'on envoie dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un homme ou d'une femme, ou dans la vie de toute une famille ou dans la vie de toute une nation même, parfois même dans la descendance d'une euh, dans une lignée entière. Voyez? Alors, euh, la sentence est exécutée par un démon. S'il n'y a pas un esprit mauvais qui l'exécute, euh, la sentence ne sera pas exécutée. Alors, les origines des de, de, de possessions. Pourquoi certaines personnes sont envoûtées et pas d'autres Pourquoi certaines personnes sont envoûtées et pas d'autres eh, J'aimerais vous expliquer des choses très, très puissantes. Eh, les démons sont comme des microbes. Mettez-vous ça à l'esprit. Les microbes. Ils ont besoin d'un corps humain vivant pour se nourrir. Voilà pourquoi les microbes attaquent le corps humain. Quand vous avez une plaie, les microbes viennent là parce qu'ils ont besoin de cela pour exister, pour se faire plaisir, pour vivre dessus. Vous voyez C'est comme les lions qui tuent la biche ou qui attaquent les gazelles parce qu'il a faim. Il a besoin de, de vivre. Et, et les microbes sont exactement la même chose. Et les démons sont exactement pareils. Les démons ont besoin d'un corps humain pour vivre leurs émotions. Les démons n'ont pas de corps physique, voyez, mais ils ont besoin d'un corps humain pour vivre, se faire plaisir, vivre leurs émotions. Par exemple, un esprit de colère, c'est un esprit qui a le plaisir quand un homme ressent le colère. Un esprit de gloutonnerie, c'est un esprit qui a, qui a le plaisir quand un homme mange. Alors, comme il aime manger, il aime ce plaisir, il pousse l'homme à manger au-delà de ses des capacités. Un esprit d'impudicité, c'est un esprit qui aime le plaisir sexuel. Alors, comme il aime le plaisir sexuel, il va pousser l'homme ou la femme avoir des rapports multiples, l'adultère, toute forme des choses, pour que ces démons puissent trouver son plaisir. Est-ce que vous comprenez ce que j'aimerais vous dire Pourquoi les démons possèdent les gens Pourquoi les démons vont envoûter les gens Ce n'est pas simplement, je ne pense pas que c'est simplement par égoïsme. Ce sont des créatures. Qui n'ont plus de corps et qui ont envie, euh, qui n'ont plus de corps physique, et qui ont envie de vivre les sensations physiques euh, qui n'ont plus. Bon, est-ce que tous les païens sont, sont possédés? Non, c'est faux. Tous les païens ne sont pas possédés. Vous voyez, il y a, il y a deux facteurs. Il y a deux facteurs qui explique la possession démoniaque chez les païens. Écoutez bien, il y a deux facteurs qui justifient, qui expliquent la possession démoniaque chez les païens. Le premier facteur, les païens qui développent des vices, les païens qui développent des vices, qui boivent trop ou bien qui s'énervent trop, deviennent un terrain favorable au démon errant. Et le deuxième facteur, c'est aléatoire. Le croisement. Le croisement. C'est comme quelqu'un qui a bu. Quelqu'un qui a bu et qui a dépa dépassé la dose tolérée par la loi. Cet homme-là qui a bu, il est susceptible de perdre son permis. Mais il faut encore qu'il croise un policier. Vous voyez Et ce n'est pas tous les gens qui sont ivres dans le volant. Qui croisent toujours les policiers. Il y en a qui ont la chance de ne pas croiser des policiers. Ils arrivent chez eux ivres. Ils ont le temps de se, de se refaire. Mais il y en a qui ont la malchance d'être ivres et de croiser un policier. Voilà, ils vont en prison. Vous voyez, il y a, il y a un système aléatoire aussi qui est là-dedans. Un homme qui est ivre, qui boit beaucoup, qui boit beaucoup, qui boit beaucoup dans des circonstances et rencontre un, de, un esprit d'ivrognerie. Alors, l'esprit de vronnerie voit le terrain qui lui plaît, il rentre et il, il, amplifie cette, ce vice. Voilà. Par contre, il y a aussi des païens qui boivent, qui boivent, qui sont ivres souvent, mais qui ne sont pas possédés par un esprit de fournierie. Donc, il ne faut pas que, que, que l'on fasse le mélange. Il faut pas, il, il faut être réaliste. cest que deux fois, nous devons être réalistes et voir la réalité. Il y a des hommes qui sont colériques, mais qui ne sont pas possédés par l'esprit de colère. Et ils sont païens. Mais il y a par contre des païens qui ont développé cet esprit de colère. Et en fin de compte, un esprit errant de colère le croise et il trouve le terrain agréable pour lui. Il rentre. Parce que les démons rentrent là où c'est agréable pour eux. D'ailleurs, Jésus-Christ l'explique bien en disant, lorsque un démon sort d'un homme, il va heurer. Donc, il va errer dans le lieu aride. Le lieu aride, c'est l'espace, l'espace spirituel où il n'y a pas de corps humain pour habiter. Il va errer dans l'espace spirituel. Mais lorsqu'il ne trouve pas, il trouve pas notre corps où s'est reposé, il revient voir le corps où il était avant. Et c'est seulement lorsqu'il trouve que ce corps est vide balayé et orné pour lui. Quand on dit balayé et orné pour lui, c'est une parole imagée, voyez. Ça veut dire balayé, orné. Nous les hommes, on aime une maison balayée et ornée, n'est-ce pas Nous les êtres humains, nous aimons là où c'est balayé et orné. Donc, nous aimons là où c'est agréable pour nous. Donc, quand Jésus a dit que lorsque les démons trouvent euh, euh, cet homme-là balayé et orné, il voulait dire simplement que lorsque les démons euh, trouvent euh, 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 le corps de l'homme agréable à lui. Par exemple, lorsqu'il était un esprit d'ivrognerie, il revient, il trouve l'ivrognerie dans la personne. Donc, c'est balayé et orné pour lui. Donc, c'est agréable à lui. Il va prendre cet autre démon pour bien s'implanter et être sûr qu'on va plus le chasser. Et je sais ce que c'est dit. La situation de la personne sera pire. Donc, les démons rentrent là où c'est balayé et orné pour lui. Vous voyez? Même un démon lorsqu'il vient dans un païen, un esprit d'ivronnerie, il va dans un païen. Et ce païen ne boit pas, ne boit jamais. Et les démons ne s'en tireront jamais bien là. Que le païen prie ou pas, le, le non-croyant, il n'est pas ivrogne. Un esprit d'ivronnerie rentre là-bas, ne rentrera jamais dans ce homme-là parce qu'il n'a aucun plaisir dedans. Vous comprenez Parce que c'est pas mal. Il y a deux facteurs. Le corps doit être vide. Et deuxièmement, balayé et orné. sur deux facteurs, c'est-à-dire que la personne doit pas être remplie du Saint-Esprit, et deuxièmement, la personne doit avoir un terrain favorable. C'est comme les microbes. Les microbes vont là où il y a des blessures, là où il y a des infections qu'ils aiment. Et lorsqu'ils trouvent la maison balayée et ornée, ils s'est sale. Donc, les païens qui mènent une vie droite, une vie propre une vie non vicieuse, qui ne sont pas dans des excès, il y en a beaucoup qui ne sont pas possédés ni envoûtés par les démons. C'est parce parce qu'ils ne sont pas à un terrain favorable. Par contre, il y a d'autres païens, comme chrétiens, qui vivent dans les vices, et d'autres, comme on dit, par, par chance, ils ne croisent pas, leur route ne croise pas les démons, et d'autres leur route croise un démon errant. Qui rentre et qui en fait un alcoolique un démesuré, ou bien quelqu'un de nerveux et démesuré, ou bien quelqu'un de colérique, incontrôlable, ou un homme impudique. Donc dire que tous les païens sont possédés, c'est complètement faux. Oui. Et, et deuxièmement, j'aimerais expliquer une chose qui est très importante il y a d'autres possessions qui sont dites à l'envoûtement surtout les païens, surtout les païens qui, qui ont qui, qui, qui font des consultations occultes. Vous êtes chrétien, vous êtes un homme païen, mais vous allez voir des gens qui pratiquent l'occultisme, et la sorcellerie. J'aimerais vous dire le royaume de Satan est un royaume des mensonges. Croyez-moi, le royaume de Satan est un royaume des mensonges. Quand vous allez voir un sorcier, un voyant, sachez-vous, sachez que vous allez voir Satan. Vous sortez du royaume de Dieu, vous allez dans le royaume du diable. Vous devez le savoir clairement. Et quand vous allez là-bas, j'aimerais vous dire, le sorcier, le marabout, vous demande pas toujours ce dont il a besoin. Il vous dit payez. Mais sachez que vous ne payez pas qu'en espèce. Vous payez en espèce, parfois vous payez en nature aussi. Vous allez payer en espèce, mais lui il va se servir de vous et pourra récupérer votre stérilité, il pourra récupérer votre santé, il pourra récupérer quelque chose à vous que vous ne savez pas. Aussi il a des démons à loger. Vous savez, les, 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 les satanistes ils travaillent avec les démons. Et s'il en a trop, il veut le loger quelque part. Il prend un démon de maladie, il est loge chez toi. voyez et, et moi, je connais des gens qui sont allés voir des satanistes. Euh, le monsieur au départ lui demande des sous. Il rentre, ils font la cérémonie, ils font la cérémonie. Et pendant la cérémonie, le monsieur lui dit, écoutez, excuse-moi, euh, 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 le maître demande un enfant. Au début, c'était, je te paye combien 5 000 euros. OK, OK, voilà. On paye. On commence la cérémonie, on commence à invoquer les démons, on commence à faire à couper la tête des cabris et en pleine cérémonie euh, euh, le, le sorcier dit excuse-moi, euh, je suis surpris, le maître a demandé euh, un enfant, donne un enfant. Et si vous dites non, et croyez-moi, vous sortirez pas normal de, de la cérémonie. Vous deviendrez fou. Je vous dis bien vous deviendrez fou ou bien vous allez mourir d'une manière ou d'une autre. Vous êtes obligés. C'est comme ça que certains hommes politiques, certaines personnes se sont fait piéger. Ils sont allés pratiquer une séance occulte. C'était question d'argent au début. Mais comme Satan, c'est un grand menteur, il vous ment, il vous dit il faut l'argent. Et en pleine cérémonie, il demande le sang humain. Et bien sûr, vous n'allez pas égorger votre enfant obligatoirement. Vous allez donner la faute de l'enfant ou vous allez donner un de vos chevets dans la cérémonie. Et vous citez le nom de l'enfant, comme vous avez le même ADN, et vous allez voir un jour l'enfant tomber malade, l'enfant est normal, dans la semaine il tombe malade, ou vous apprenez que l'enfant, en rentrant de l'école, elle a été écrasée par une voiture. Vous apprenez plein de choses bizarres, mais l'enfant va mourir. Et je connais des gens qui ont refusé de donner leur enfant et puis qui ont été menacés, et suite à ces menaces, ils se sont convertis, ils ont été délivrés, et maintenant ils sont devenus pasteurs. Il y a le pasteur Mavungu. Le pasteur Mavungu, un pasteur protestant que j'ai connu au Congo. Et lui, il, il a été, il s'est converti comme ça. C'était un homme politique, il voulait avoir du pouvoir. Il est allé voir un sorcier. Je ne rentrerai pas en détail. Ils sont allés la nuit, au milieu d'une réveil, invoquer les démons. Et à un moment donné, le sorcier frappe, il voit, euh, sur l'eau, les visages de ses enfants passés. Le sorcier dit, donne un sacrifice. Et vous savez, le sacrifice euh, euh, sublime que Satan aime, c'est le sang humain. Et, et plus proche la personne est de ton sang, plus, plus fort est le sacrifice. Plus proche la personne est proche de toi par le sang, plus, grand, plus grande est la valeur du sacrifice. Et le pasteur Mavungu a refusé de donner ses enfants. Alors le sorcier a dit, je te laisse. Le sorcier est sorti de l'eau, de la rivière, il est parti. Et lui, il a voulu bouger. Il ne bougeait plus. Il était comme scotché dans la rivière. Alors là, il a désespéré. Il a crié Jésus. Il n'était pas chrétien. Hein? Mais dans le désespoir, il a pensé à ses parents. Il a crié Jésus. Et quand il a crié Jésus, il s'est retrouvé projeté en dehors de la rivière. Et c'est comme ça qu'il a pris sa voiture. Il est rentré à la maison. Il s'est converti. On l'a fait la délivrance et il est devenu un pasteur. Je me rappelle bien de lui. Il s'appelait Pasteur Mavungu. Un homme de Dieu puissant, puissant, puissant. Je peux vous dire, un homme de Dieu puissant. Il avait la parole de connaissance extraordinaire. Donc parfois, il y en a des, des satanistes, surtout la magie noire. La magie noire est une magie non maquillée. La magie noire est une magie non maquillée. On vous dit, on coupe la tête d'un cabri, on coupe la tête d'un cabri. C'est comme le vaudou. On sacrifie le sang, on sacrifie un homme, on vous dit, on sacrifie un homme. C'est direct. Mais la magie blanche est une magie un peu civilisée, maquillée. On vous donne un talisman, et des fois on vous dit, euh, vous, vous n'avez qu'à payer, vous payez 1000 euros, euh, euh, mais dans leurs séances occultes, dans, dans leurs occulte, leur trattractions tra 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 démoniaques, eux-mêmes se servent dans votre famille. Vous, ils, ils prennent votre enfant, ils essayent de prendre votre femme, parfois même ils essayent de prendre votre vie à votre insu. Je, peux vous, je vous déconseille. Si vous avez été dans ces endroits, vous devez venir recevoir votre délivrance. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez reçu en vous. Vous savez ce que vous avez donné en espèces. Mais, mais lorsque vous allez dans ce milieu, le, le sorcier ou le voyant a droit de toucher votre vie. Il a droit même de se servir. Et Satan est un voleur. Vous ne savez pas que Satan est un voleur. Lorsque vous traitez avec un voleur, vous allez vous, allez vous faire voler. Lorsque vous traitez avec un voleur et qu'il vous vole, ne vous plaignez pas. Ne soyez pas étonnés. Vous allez vous faire voler. Et en général, lorsque il vole et vous dit que c'est votre père, c'est votre grand-père qui vous a fait ça, on vous ment toujours. Hein. C'est votre cousin. Faites attention avec les, les mensonges des voyants, des sorciers. Et parfois, ils vous disent que c'est votre frère qui vous a fait ça, ou ils vous mentent. Et vous croyez ça, des fois. Je connais une fille, on lui a dit que c'est ta mère qui t'a fait ça, et elle a cru. Elle parle plus avec sa mère. Elle a fouillé, elle a, elle a fouillé sa mère. Et, et c'est moi qui l'a réconcilié avec sa mère, parce qu'elle est venue me voir, et j'ai tout fait pour voir sa mère. Quand j'ai prié pour sa mère, et j'ai vu que sa mère n'avait rien du tout. Et la fille s'est réconciliée avec sa mère. Donc, l'origine des possessions démoniaques. Donc, je dis bien que les païens ne sont pas toujours obligatoirement envoûtés ou possédés. Et nous avons vu aussi que pour qu'un païen soit possédé, ou même un chrétien, il faut qu'il ait un terrain favorable. Il développe quelque chose de favorable, que sa maison soit belle, ornée et balayée, donc agréable aux démons. Et nous avons aussi vu que euh, 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 les, certaines personnes. Chrétiens ou païens sont envoûtés ou possédés parce qu'ils ils rentrent directement en contact avec le monde démoniaque. Je connais une fille métropolitaine, ça fait longtemps, j'avais prié pour elle. Je donne toujours des témoignages qui datent de très longtemps pour ne pas être obligé de parler de la vie privée de gens que je connais actuellement. Donc là, quand je vous donne des témoignages, ça date de 20 ans, 30 ans. Donc je parle des choses qui datent de longtemps comme ça. Euh, euh, je ne peux pas parler de ceux qui sont actuels. Les, les, les expériences actuelles concernent des gens que je connais, euh, dont je dois protéger la vie privée. Euh, cette fille métropolitaine, il y a 30 ans, quand elle était au collège, elle avait assisté à une séance de spiritisme. Vous savez, beaucoup d'écologiens ou des, des, des universitaires pratiquent ça. Ça les amuse. Ils ont invoqué un démon et puis les, ils ont fait les lettres qui bougeaient et, et la, la carte bougeait toute seule sur la table. La carte bougeait. Et à la fin de la séance, on dit au démon de partir. Mais sauf qu'il ne part pas du tout. Vous lui demandez de partir, mais il choisit quelqu'un qui a un terrain favorable pour qu'il rentre. Et ce démon, à la fin de la séance, il est rentré dans cette métropolitaine. Et tout allait bien. Le les les démon était, euh, comme je dis, euh, en sommeil. Vous voyez? Et oh, quand la fille a eu 20 ans, elle est partie en vacances aux États-Unis. Et elle a été logée par une famille chrétienne et on l'a amenée dans une église évangélique du réveil. Et c'est là que les démons a commencé à s'agiter. Et quand il est revenu ici en France, on a constaté qu'il euh, sautillait partout. Il sautillait comme un singe. Il était assis et brusquement, il sautillait, boum, il tombait par terre. C'était un phénomène que les gens appellent paranormal. Enfin, ils sont allés voir des psychologues, ils sont allés voir des de, de psychiatres, ils n'ont pas trouvé d'explication. Ils ont dit que c'était un truc paranormal, ça se passe dans sa tête. Mais c'est dérangeant parce qu'il pouvait pas rester cinq minutes assis, euh, il sautait, il débout, il sautait, il tombait, donc c'était un peu dérangeant. Sa mère était infirmière et son père athée. Alors c'est là qu'ils ont appris qu'il y avait un pasteur qui priait pour les gens. Ils sont venus me voir à Grigny. Et on a fait la délivrance. On a prié des heures et des heures. Et c'est là qu'il va avouer qu'il avait une relation avec un homme en dehors du mariage. Et cela a bloqué sa délivrance. Vous savez, les gens cachent leur péché. Ils cachent leur péché. Ils croient pouvoir être capables de tromper Dieu. Quand on fait la délivrance, il faut dire la vérité. Il faut dire, écoutez, j'ai tel péché et il faut décider de renoncer au péché. Parce que quand vous mentez, ça risque de finir mal pour vous. Parce que les démons peuvent se retourner contre vous. Vous voyez? C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui sont bien. Et, et, et ils sont bien. Et lorsqu'ils arrivent à l'église, ils deviennent mal. On pense que c'est l'église qui les rend mal. Alors que le mal sommeillait en eux. Vous savez, il y a des démons qui ont un mandat. Il y a des démons qui sont dans quelqu'un. Son mandat est tu au bout de 30 ans. Le mandat, l'envoûtement, c'est le monsieur doit mourir de mort brutale au bout de 20 ans. Mais pendant 20 ans, il vit normalement, comme si rien n'était. Bon, supposons qu'au bout de 10 ans, il vient à l'église prier. Et là, on lui pose le main, les démons se met à se manifester. On dira, mais cet homme-là, il était normal. Et mais c'est depuis qu'il va dans cette église-là qu'il est devenu comme ça. Alors que, parce qu'il est dans, venu dans l'église, le mal qui était caché en lui s'est réveillé n'a pas accompli sa mission et maintenant il doit être expulsé. Je vous parle des choses euh, profondes. Profondes que je crois que cet enseignement, envoyez-le à votre pasteur. Voilà c'est le conseil que je vous donne. Si vous aimez votre pasteur, envoyez-lui cet enseignement. Euh, je pense que ça lui servira à quelque chose. Surtout tous les jeunes qui commencent à faire la délivrance, qui veulent s'y mettre. Alors, il y a aussi, eh, 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 les, les, comme on, on parlait des, des origines des, des possessions démoniaques, il y a aussi des possessions héréditaires. Comme on dit, malédiction ancestrale. C'est-à-dire que votre père a fait un pacte. Suite à ce pacte, tous ses enfants sont liés à ce pacte. voyez, et, et ce qui fait que toute la descendance est maudite. Pourquoi Parce que le né, ou votre grand-père voulait avoir de l'argent. Par exemple, il y a un, un grand-père qui va avoir de l'argent d'une manière mystique. Le diable lui donne, il va prospérer. Mais après, elle, tous sa ces, ces descendance doivent rembourser. Rembourser au diable. Alors ce sont des gens qui n'ont jamais de chance. Et ils ont l'argent, ils n'en font rien. Ils travaillent, ils ne savent pas où vont l'argent. Leur argent disparaît comme ça. C'est une malédiction de fois qui est due à un ancêtre qui a fait un pacte avec le diable. Vous voyez il y a des malédictions comme ça que nous avons, que nous recevons, sans avoir rien fait du mal ou du bien. Mais simplement parce que quelqu'un de la famille a fait un pacte avec le diable. Voilà ce genre de malédiction. Et il y a aussi ce genre de malédiction, euh, origine, euh, euh, les endroits qui sont maudits. Il y a des lieux géographiques qui sont contrôlés par des démons. Supposons que... Je vous donner un exemple. Euh, au Congo, il y a une rivière qu'on appelle Maindombe. Au Congo, il y a une rivière, euh, il y a une route euh, qui part de Kinshasa à Bandundu. Il y a un coin où il y a toujours d'accidents vers Maindombe. Une petite crevasse de rivière, mais vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de camions et de voitures qui meurent là tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? lorsque les gens roulent il y a un endroit spécifique qui est hanté par un démon et, et lorsque les gens roulent ils arrivent à cet endroit ils voient toujours une femme imaginez vous vous roulez vous arrivez au bord de la de, dans un virage vous voyez une femme, en, une femme avec un bébé sur le dos qui traverse la route vous avez une vision mais une vision qui ressemble à la réalité parce que vous êtes dans un endroit hanté. La plupart des chauffeurs, n'importe qui va essayer d'éviter. Comment tu peux écraser une femme euh, avec un bébé sur le dos À part des malades mentaux, tout le monde va éviter de tuer un innocent. Et en général, on ne va pas à gauche dans, dans le sens. Euh, on ne va pas aller affronter d'autres voitures dans le sens contraire. On va éviter le choc frontal. Et la plupart des chauffeurs dévient vers la droite et ils tombent dans la crevasse, dans ce trou-là qu'on appelle Mindombé. Et en général, c'est la mort. Parce que le trou est tellement profond et c'est comme ça que des milliers, je vous dis bien, des milliers de gens sont morts là. Mais comment est-ce qu'un endroit géographique peut être hanté? C'est souvent une femme qui est possédée. Souvent, une femme qui est envoûtée ou une femme qui a un pacte avec le diable, un pacte de 10 ans ou de 20 ans, qui traverse cette chaussée et qui a été écrasée à cet endroit. Vous savez, les démons, ils ont un délai. On vous dit, vous allez habiter dans cette femme-là pendant 30 ans. C'est un démon, un pacte qu'elle a fait de la sorcellerie. Et les démons vit dans cette femme. Et maintenant, lorsque la femme traverse la route, une voiture par hasard vient, l'écrase, et la, la dame a une mort brutale sur l'endroit, la dame meurt, mais les démons restent dans l'endroit. Parce qu'ils avaient une mission de 30 ans ou de 20 ans. Vous savez, les démons ne sont pas très intelligents. Satan, il est malin, mais les démons sont des êtres qui sont très limités. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui donnent à des démons. Eh, des prérogatives qu'ils ont pas. Les démons sont très très limités. Alors les démons qui est dans la personne, la personne meurt et l'esprit qui est là, il peut pas rester dans le corps eh, euh, du mort et il commence à errer, il commence à et quitte le corps parce que le corps est mort. Il commence à errer dans le lieu géographique en, en question et il commence à, à refaire le trajet de la dame, il commence à refaire le trajet. C'est c'est les démons qui hantent les gens. Et tous les gens qui arrivent dans cet endroit géographique, ils sont hantés. Bon, certains démons restent pendant 30 ans, pendant la durée euh, du contrat euh, qu'il avait avec la femme, ou certains démons même, comme ce sont des, des, des êtres, euh, 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 comment je dis, euh, euh, agressifs, euh, qui ne respectent rien, ils restent pour du bon dans l'endroit. Et ces démons-là hantent les gens, ils font tuer les gens. Et vous allez voir souvent des maisons hantées. C'est des maisons où il y a eu toujours des morts brutales. Des gens qui sont morts brutalement là. Vous voyez quelqu'un qui est possédé par un esprit. Quand il meurt brutalement dans une maison, les démons qu'il a en lui restent dans la maison. Lui, il meurt, il part. Donc, lui n'est plus là. Mais les démons qui étaient en lui, il prendra son image, son visage, tout. Il va rester hanté l'endroit. Voilà pourquoi il y a des maisons qui sont souvent hantées. Vous voyez, souvent c'est des morts brutales. Donc il y a des endroits géographiques comme ça qui sont hantés. Alors j'ai presque tout dit hein, sur les origines des possessions démoniaques. Mais j'aimerais quand même vous dire quelque chose. Nous allons voir. Euh, euh, j'aimerais vous dire quelque chose. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus, tout Jésus est capable. Jésus est le roi du roi. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous lâchera jamais. Jésus-Christ vous protège. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous n'avez pas à craindre les démons. Vous n'avez pas à vivre dans la peur des démons. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Dans 1 Jean. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. Celui qui se garde, l'ennemi ne le touche pas. Si vous vous gardez, l'ennemi ne pourra pas vous toucher. Avant de continuer, on écoute un chant à la un seul clip à la gloire de Dieu, et puis on va continuer notre émission. Soyez bénis. Louez l'Éternel, peuple de Dieu. Louez l'Éternel dans toutes les circonstances. Louez-les en prison. Louez-les quand ça va bien. Louez-les quand ça ne va pas. Car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. La victoire appartient à ce que loue l'Éternel. Comme Paul et Silas, louez-le. Louez-les même quand on vous met en prison. La victoire est devant toi. Oh. Bon âme, pourquoi j'ai mis Dieu sur moi loue l'éternel car il m'a fait tant de bien mes frères et sœurs comprenez le secret de la louange lorsqu'on loue Dieu c'est là que son action descend c'est là qu'il manifeste sa gloire et c'est là qu'il guérit son peuple louez l'éternel des armées avec la harpe avec la guitare louez Dieu

botika kingumba otika pɔtɔpɔto bokoma koswana lokola bapakano barivalite ya bamersedesi ya batelevizio bakompetisio wana ba 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 botika yango obongola bitemako tolembi babuzoba wana oyoa koyembela yesu luwe j luwe j luw j luw j Alabala Jesús, alabala Jesús, alabala Jesús, alabala Jesús. Wash it, Lord. Wash it, Lord. Wash it, Lord. Wash it, Lord. Mi amigo, venga, vamos a alabar al Señor. Canta por tu Dios, porque Dios es grande. Porque Dios es poderoso No llora mami, no llora por favor No llora Venga Jesús Cristo es vivendo La victoria es tuya. Si tú creas en la palabra del Señor Jesús no cambió Jesús es mismo ayer, hoy y eternamente Venga Alabala Jesús Alabala Jesús Alabala Jesús. Alabala Jesús.